mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires et les élus, mes chers collègues, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des administrations, et en particulier l'administration de la communauté de communes, je vois qu'ils sont là nombreux, je les en remercie, mesdames et messieurs et chers amis. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille ce soir et vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette rencontre est d'abord un moment partagé qui me permet de vous présenter de vive voix, en mon nom et au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. L'année 2024 commence comme a fini 2023, dans un contexte qui permet peut-être pas à tous d'avoir une sérénité absolue dans les têtes et dans les cœurs. En effet, nous devons faire face à des bouleversements, je dirais, dans notre contexte, qu'il soit climatique, que ce soit au niveau du contexte international. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine ou la reprise du conflit au Proche-Orient sont source d'inquiétude, surtout si on regarde trop souvent BFM TV ou LSI. L'après-Covid a mis également à mal pas mal de pans entiers de l'économie. Malgré une baisse du chômage, la précarité de certains foyers mérite que la solidarité soit toujours plus forte. Je voudrais également avoir une pensée pour certains de nos concitoyens de la Bachellerie et des communes voisines, sans doute, qui ont subi les conséquences de ce que j'appellerais cette casse sociale et économique avec la fermeture de la ligne 4 des papeteries de Conda. Mais notre impuissance face aux incohérences de certaines politiques industrielles nous amène à une frustration très mal vécue. Et quelle sera la suite? Malgré qu'actuellement ça fume beaucoup, papeterie c'est toujours bien quand vous voyez papeterie qui fume, militaire ça va mieux. Quand ça fume plus, c'est que vous pouvez dire que la chaîne 8 est arrêtée. Mais bon, il y a des investissements qui sont faits au papeterie de Conda, je fais une petite parenthèse, une chaudière biomasse avec combien, 40 millions pour l'investissement. Bon, on ne sait pas quelle sera la suite de cette mauvaise nouvelle, mais espérons que. Je souhaite à nos amis frappés par le licenciement de relever la tête et de se projeter dans une reconversion certes difficile mais indispensable. Le travail est le moteur de la vie et le meilleur moyen de trouver un équilibre personnel et familial. Soyons vigilants à maintenir le lien social dans une démarche de dialogue, de bienveillance, où la liberté de chacun doit être respectée, car sans cette liberté, point d'épanouissement personnel et collectif. La confraternité est à remettre au cœur de nos valeurs fondamentales. C'est à chacun d'entre nous de se poser les bonnes questions. Que souhaitons-nous pour nos enfants, pour nos petits-enfants? La réponse est dans notre façon d'être, de penser, et c'est le rapport aux autres qui façonne notre société. L'obscurantisme doit être combattu et banni. La tolérance, la liberté et la solidarité doivent être au cœur de notre pensée et de notre action. Après ces propos liminaires, pas forcément très optimistes, je tenais à vous dire que notre village de la Bachellerie, managé par un conseil municipal très investi, sera au rendez-vous de vos attentes. Et je les en remercie. Nous continuons à œuvrer pour le bien-être de vous tous. Ainsi, l'amélioration, la création de services seront toujours au cœur de nos priorités, concrétisant cette philosophie de bien vivre ensemble qui nous tient à cœur. Ce rendez-vous annuel me donne aussi l'occasion de rendre compte du bilan de nos actions de l'année passée. Alors, l'année 2023 n'a pas été, au niveau des investissements, une année d'un grand cru par rapport à 2022, mais ceci étant, il a fallu revoir les choses un petit peu avec modération, parce qu'on ne peut pas non plus, j'en dirai le mot tout à l'heure. Donc, ça a été, l'investissement de 2023 était très modéré, pour un montant de 152 000 euros investis. On doit souligner surtout l'essentiel de ces travaux ont été l'aménagement et la sécurisation de la rue Lafarge devant la maison médicale, ainsi que d'autres travaux divers de voirie, un columbarium qui est agrandi avec tout le matériel, la mise en place, et je pense que c'est le domaine de la Comcom aussi, de la défense incendie, des bâches à défense incendie qui sont un élément important
Monsieur le Président, sans doute, vous en parlera tout à l'heure dans le cadre du PLUI, peut-être. Voilà, en gros, les investissements sur le plan financier de 2023. Mais par contre, comment ne pas évoquer cette année écoulée sans évoquer l'achèvement des travaux de notre maison médicale et de son ouverture en avril. C'est un projet d'envergure de 500 000 euros qui a abouti à une belle réalisation architecturale et des locaux fonctionnels que nous devons à notre architecte, M. Bernard Chinour, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Bon, ça, c'est une chose. Mais la plus merveilleuse des choses, si je puis dire, c'est que ça a été début janvier l'arrivée de notre consoeur, ma consoeur, Chloé Guesquière, qui est là. Tu peux t'approcher un tout petit peu, vu que. Non, elle est timide. Chloé Guesquière, elle est très timide. Qui vient de Belgique, qui a été séduit d'une part par notre Périgord, bon, il faut s'en féliciter. Et séduite également par la bachellerie et sa maison médicale, et je m'en réjouis, et je lui dis un grand merci, 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 et encore merci. Parce que c'est vrai de trouver des médecins libéraux, généralistes, qui veulent venir dans nos milieux ruraux, ça devient très compliqué, même si, bon, il ne faut pas toujours désespérer. En tout cas, Chloé, Je la tutoie au cabinet, là je vais la vous voyez devant vous. Je la félicite et la remercie encore une fois. Alors malheureusement, elle a débuté, alors dans quelles conditions d'abord vive l'administration française, déjà, bon, je ne fais pas de commentaires comme ça, vous avez tout compris. Et en plus, alors, les bugs informatiques qui se renouvellent quotidiennement, donc elle galère un petit peu, mais bon, tout va être réglé en début de semaine. Donc elle a commencé son activité, elle a travaillé déjà pas mal, mais ça va monter en puissance, puisque le vieux qui est devant vous va relâcher progressivement un petit peu les rênes, parce que sinon il va, je ne sais pas, mourir debout ou mourir couché, je choisis de préférer mourir debout et au travail. C'est ma philosophie, hein. Personne n'est obligé de la partager. Voilà, donc c'est vrai qu'elle va avoir beaucoup de travail, qu'elle est bien entourée avec notre secrétaire, Laetitia, qui sera d'ailleurs secondée un petit peu le jeudi. Et puis, comment dire, elle est gentille, je crois qu'elle commence à être bien appréciée de tout le monde, compétente, j'en suis persuadé. Et elle s'est engagée pour une longue durée dans notre territoire, puisqu'elle a déjà signé son contrat avec les CPM au minimum pour 5 ans, mais bon, je sais qu'elle restera plus longtemps, sauf événement majeur. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est évident que moi je vais commencer doucement à faire des crescendo, mais que à la fin de l'année prochaine, à la fin de cette année, je pense qu'à elle toute seule, elle ne pourra pas assumer et ma patientèle et les 300 ou 400 personnes qui sont inscrites au secrétariat en attente. Donc voilà, il faudra sans doute envisager dans l'année, en fonction de l'évolution de la patientèle, de recruter un deuxième médecin, parce que sinon Chloé fera comme moi, elle ne pourra pas prendre tout le monde. Voilà, hein, les journées sont ce qu'elles sont. Donc, merci Chloé encore, je ne peux pas le dire assez longtemps, assez souvent, merci, parce que vraiment, et je sais maintenant, on se connaît pas très longtemps, en plus c'était 6 mois qu'on se connaît, parce que c'était au mois de juillet, je crois, tout a démarré sur un coup de cœur de sa part. On m'entend bien. Mais on va travailler, je crois, dans une sérénité absolue, en bonne entente, de façon confraternelle, et je suis prêt, je lui ai dit et je le redis tous les jours, je suis prêt à l'accompagner, à lui donner des conseils, non pas professionnels, je ne me permettrai pas, parce que. Mais sur le plan administratif, sur le plan d'organisation du territoire, elle est déjà de garde début février, je crois, en plus. Donc il va falloir que je fasse visiter un petit peu le secteur. Voilà. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que, de ce fait, nous serons 1,5, on va dire, parce que moi je compte passer à 2,5 jours pour le moment. C'est déjà beaucoup, 2,5 jours, hein. Ça dépend comment est la journée.
Et c'est comme une journée de vendredi avec 35 malades, et avec consultation l'après-midi, c'était quand même une belle, belle journée. Mais bon, c'est comme ça. J'aime ça, et puis il faut que j'accompagne tout le monde. Donc, dans cette maison médicale, la continuité des soins sera ainsi assurée tous les jours de la semaine, du lundi au samedi matin, puisque nous avons convenu que nous travaillerons un samedi sur deux. C'est un objectif et une nécessité pour que notre maison médicale soit un lieu avec une offre de soins pluridisciplinaire, puisque vous savez qu'il y a d'autres spécialistes, cardiologues, infirmières, psychologues, qui répondent au mieux aux besoins de la santé de la population. Donc je l'ai dit, on verra ce qui se passe dans l'année, s'il faut aller à la pêche de notre confrère ou consoeur. Et puis encore, une autre bonne nouvelle qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, c'est que nous aurons une nouvelle praticienne qui vient compléter notre équipe, le docteur Anne-Marie Baugier, qui est ici présente. Voilà, elle est moins timide, mais elle a plus de bouteilles, hein. Qui est spécialiste en nutrition et en diabétologie. Et Anne-Marie, je suis aussi avec un peu d'émotion et beaucoup de joie qu'on va t'accueillir en maison médicale, je crois que c'est réciproque. Parce qu'Anne-Marie, je la connais, elle avait 14 ans, je crois, ou même pas. Moi, j'étais jeune médecin, elle habite à Saint-Rabier, mon papa est là. Je l'ai soignée, Anne-Marie, quand elle était adolescente, elle avait des crises d'asthme. Et il fallait que je monte vite pour passer à la vente vide. Donc elle va nous redonner en retour une autre bouffée d'oxygène dans la maison médicale pour venir deux fois, des vacations deux fois par mois, les vendredis, un vendredi sur deux a priori, pour faire donc exercer sa profession, enfin son métier très qu'elle adore d'ailleurs, je sais, en tant que nutritionniste et diabétologue. Donc merci Anne-Marie. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion, je te le dis, qu'on va t'accueillir début mai, dès que les formalités administratives seront remplies. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est encore une bonne nouvelle. Elle exerce à Libourne pour le moment, ça fait depuis un certain nombre d'années, mais je sais que son cœur est toujours à Saint-Rabier, et que la vacherie Saint-Rabier, bon, c'est pas très loin, et je sais que là, nous allons former tous ensemble une super équipe. Et je voudrais, donc merci Anne-Marie, merci et bienvenue. Je voudrais également, pour conclure ce volet médical, je parle ici, j'ai double casquette, hein, maire, médecin, donc c'est compliqué la double casquette. Quand on met une casquette, la première, on la met à l'endroit, et la deuxième, on peut la mettre de travers, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe d'un jour médical, Bertrand Moreau, notre cardiologue, Alexandra, son épouse qui fait de la polygraphie du sommeil, de l'acupuncture. Notre équipe d'infirmiers et d'infirmières, ici j'ai vu Sandrine, je crois, qui est là, à Sandrine Rossari, notre psychologue, à Laetitia Weiss, notre secrétaire, pour l'ambiance conviviale et sereine qui règne dans notre structure, ce qui permet à tous d'exercer notre merveilleux métier dans les meilleures conditions. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette maison médicale et que je crois qu'elle est appréciée de tout le monde, qui permet de répondre à un besoin impérieux de soins et de pour les personnes de nos territoires qui sont la plupart beaucoup âgées, hein, et donc qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'elles. Et l'exercice en milieu rural est un métier passionnant, mais qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'engagement. Mais je crois que toute l'équipe dans ces maisons médicales est dans le même tempo, dans le même objectif, et je les en remercie. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, et c'était très important, parce que je crois que c'est, pour moi, enfin, les choses les plus importantes. Alors, bien entendu, c'est mon bébé, entre guillemets, en raison médicale, on l'a réalisé. Je voudrais remercier également quand même le conseil municipal qui a validé ce projet. Remercier également nos partenaires financiers, le conseil départemental, via les contrats de projets communaux, ça a été subventionné à 25%. L'État ne nous a pas donné d'argent parce que nous ne sommes pas une maison de santé pluridisciplinaire validée par l'ARS. Bon, voilà, ça c'est la France, mais bon, je ne ferai pas de commentaire. On s'est débrouillé comme ça. D'ailleurs, j'ai eu un petit retour, c'est que le sous-préfet de Périgueux, c'est ça, a dit, ah, mais un de mes adjoints qui connaît bien, il dit, vous êtes débrouillé sans l'aide de l'État. Ah ben c'est parfait, c'est très bien, bravo. Voilà. Et on s'est débrouillé, effectivement, nous avons emprunté pour financer le maison médicale. Mais bon,
grosso modo, on va dire que les loyers équilibreront les relevés unités d'emploi. L'année 2024 sera, elle aussi, dans la continuité de nos ambitions. Outre l'amélioration de l'environnement et de la sécurité, je tiens à conforter nos commerces, nos artisans, nos créateurs et ceux qui seront prêts à prendre des initiatives et seront encouragés et soutenus par les municipalités. La vie culturelle, associative et notre école seront au cœur de nos priorités. Je les remercie pour leur dévouement, leur engagement, en particulier le corps enseignant, avec à leur tête une nouvelle directrice qui n'est pas excusée ce soir, mais il y a la directrice adjointe qui est là. Marie, merci. Et je rappelle que notre école est une force vive de notre village. Il faut d'ailleurs noter que les prévisions d'effectifs sont à la hausse avec la nouvelle famille, ce qui est assez rare, mais c'est vrai que pour l'année 2024, nous serons sans doute un petit peu, il y aura un peu plus d'enfants. Bon, voilà, c'est parfait. J'ai réussi l'année dernière, on a réussi dans le cadre du RPI avec Saint-Mallier, Périgny-Clichard, à tenir l'ouverture de 6 classes, ou 7. 7. Je n'ai pas dit, je ne sais plus, 3, 4, 5, 7 classes. 7 classes. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais bon, nous avons eu un très bon entretien avec Madame l'inspectrice d'Académie. Donc on espère que. Les investissements 2024, par contre, seront conséquents et seront la traduction de notre volonté d'aller de l'avant pour améliorer l'attractivité de notre village. Mais soyez, comme j'ai dit tout à l'heure, soyez assurés que la maîtrise des finances communales est toujours une priorité. Dans le cadre du PPI, ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement validé par le conseil municipal en 2022, ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de maintien de notre activité avec pour objectif l'embellissement et la sécurisation du bourg sur son axe routier départemental, l'attractivité de nos commerces, répondre aux besoins de nos associations, en particulier de l'USP, favoriser le logement locatif indispensable pour accueillir de nouvelles familles. Pour cela, les travaux envisagés sont, je l'énumère assez rapidement, mais à peu près c'est la liste pas exhaustive, mais presque, les travaux de voirie, bien entendu, l'effacement du réseau de basse tension rue Lafarge, l'aménagement des trottoirs rue Lafarge et rue de la République, la sécurisation du carrefour entre la route de Rastignac, la rue Jean Fauché et la CD65, la mise en place, comme j'ai dit tout à l'heure, de la défense d'incendie, puisque dans le cas du PLUI, ça devient indispensable, à Chantemer, ce sera pour l'année prochaine, des travaux du gros stade de foot avec la réfection d'éclairage du stade, la construction d'un clubhouse d'environ 40 mètres carrés dans le cadre d'arrangement, la rénovation de l'appartement du premier étage de l'immeuble impasse de la mairie, la modernisation de l'éclairage public au Breuil, au lac, une partie est en cours, l'aménagement de la terrasse de la place de Pont-de-Mars, mise à disposition pour l'épicentre, la réfection de la vitrine et l'enseigne du salon de coiffure. Et choses diverses. Tout ceci, c'est environ estimatif, mais 10% près, je ne peux pas me tromper, 450 000 euros d'investissements qui sont prévus pour ces travaux et qui seront, amendés en fonction des finances et du budget 2024. Pour financer ces projets, on retiendra que l'autofinancement provisionnel pour le budget 2024 devrait s'inscrire aux alentours de 220 à 230 000 euros. 60 000 euros de subventions peuvent être attendus, je dis bien peuvent. Et compte tenu d'une baisse de l'annuité d'emploi de 26 500 euros au cours des deux années à venir, ainsi qu'une recette envisagée de 5 000 euros pour le loyer du logement, un emprunt pourra raisonnablement compléter notre besoin de financement sans augmenter le capital de la dette. Aucun impôt supplémentaire n'est pas envisagé. Je tiens à préciser que la dette dans une commune, il y a des ratios. Il ne faut pas penser qu'on est endetté parce qu'on emprunte un peu tous les ans. Il y a des ratios et en particulier ce qu'on appelle le désendettement. Le désendettement, c'est la capacité de rembourser la dette pendant certaines années. Nous sommes à la bâcherie à 3 années et demie. Et si je sais qu'il y a un grand technicien des finances, notre DGS qui doit être par là, de la commune, qui me dira qu'on est encore dans le vert. Donc, pas de souci. Et je suis très vigilant ce qui concerne les finances, même si on peut me considérer comme un peu dépensier, mais ce que l'on fait, je crois, et c'est validé par le conseil municipal, c'est pas pour moi, c'est pour vous tous, pour améliorer l'attractivité de la bâcherie, je l'ai déjà dit, et le bien-être de vous tous.
par ailleurs, je voudrais bien sûr remercier tout le tissu associatif pour les animations qui sont proposées tout au long de l'année. Merci à leur président et à leurs bénévoles pour leur dévouement et leur attachement à la Bachelor. L'été a été festif avec des marchés nocturnes et la fête communale, une très belle réussite. L'USB, entre autres, ne ménage pas ses efforts pour développer l'attractivité de son école de foot, remarquablement dynamique en association avec le club de Tenon et de Hautefort. Président, il a une casquette, hein, c'est pire qu'un général, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de barre. Il y supporte très très bien et puis sans barrette, d'ailleurs il serait très malheureux, j'en suis sûr. Je plaisante, je peux me permettre de faire assez longtemps pour que je puisse le taquiner. Donc voilà ce que je voulais dire, et j'ai bientôt fini. Je renouvelle mes félicitations à tout le personnel communal qui tout au long de l'année s'implique et effectue un travail de grande qualité dans le but toujours essentiel de satisfaire nos administrés. Remerciements également à nos gendarmes, à nos pompiers toujours dévoués au service de notre sécurité. Les pompiers que j'ai eu à, qui j'ai eu affaire ce matin, je crois d'ailleurs, pour l'hospitalisation d'un concitoyen. Merci à nos conseillers départementaux Francine Bourrat et Dominique Bousquet, qui sont à notre écoute et qui essaient de satisfaire les attentes de tous les élus des communes du Haut-Périgord noir à travers les contrats communaux, mais avec une enveloppe assez contrainte, ce qui leur demande effectivement des gymnastiques et des compromis quelquefois compliqués, mais honnêtement, on n'a pas à se plaindre, ni à la Bachelée, je crois, ni ailleurs non plus. Merci aussi encore, une autre barrette, à notre président de la communauté de communes, Louis Bousquet, qui met toute son énergie pour favoriser le développement économique du territoire, à qui il faut associer Francine Bourrat, en tant que vice-présidente, à l'économie. Pour mettre en œuvre une politique au service de la population à travers le CIAS, Front Service, la jeunesse, la vie associative. Pour une politique du logement dans le cadre de nos PH et bien d'autres actions qui vous développera sans doute tout à l'heure. Personnellement, en tant que vice-président chargé des finances, j'essaye de veiller au meilleur équilibre budgétaire possible afin de dégager les financements nécessaires à la politique tracée par le Conseil communautaire. Mais nous pouvons compter, je peux compter, sur notre directeur général, Nicolas Harel, expert, je le disais tout à l'heure, incomparable dans la gymnastique budgétaire, ce qu'il adore d'ailleurs, il ne s'en cache pas, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et c'est un plaisir de travailler avec Nicolas Harel, je le redis, à titre personnel, et je crois que c'est partagé par l'ensemble des élus de la communauté de communes et du personnel. Je salue tout le personnel administratif communautaire affecté dans les différents services, maintenant bien structurés, qui rendent plus efficaces nos actions et qui leur permettent de travailler dans des conditions meilleures, si je puis dire. Voilà, pour conclure, et j'en aurai fini, je voudrais vous transmettre à tous tous mes meilleurs voeux pour 2024, que cette année soit pour vos familles et vos proches une année d'espoir, de bonheur et de bonne santé. Merci.